je viens vous montrer comment vous allez baiser demain le 24 avec vos gars. Parce que la nuit de demain, là, c'est souvent sûr que le 25, c'est pour les enfants. Mais demain, le 24, c'est pour nous, les adultes. Demain, vous allez prendre le canapé à trois places, n'est-ce pas? Sur ce canapé, nous allons utiliser trois meilleures positions, mes bébés. Ouais! Bébé assis comme je suis là, n'est-ce pas? Et toi, tu es là. Quand c'est court, on ne bouge pas trop, on ne se lève pas trop. Voilà le mouvement de quand le barrelet est court. Parce que faut pas que ça sorte à tout moment et ton gars perd le coup des bêtises. Hein? Mais quand c'est long, on est là pour donner de l'espace au dos. Mmh? Tu me penses les bêtises. Viens dit quand c'est court, on ne fait pas trop d'efforts, voilà. Voilà le mouvement du bangala qui est court. Deuxième meilleure position sur le canapé, ma chérie, tu es là sur le canapé. Et tu te mets à cheval là. Ton gars, les pieds au sol, vous-même vous connaissez quand l'homme a tous ses deux pieds au sol, comment il baise bien. Tu es là, il dit que... Et les gars, quand vous prenez à cheval, gifler. Un vrai homme qui baise à cheval gifle les paires de fesses là. On te donne la nourriture, tu cajoles, tu caresses, tu gifles, paf, 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 paf. Ouais. Et partez souvent à gauche, à droite. La troisième position sur le canapé, je garde ça pour le 31 décembre. Le 31 décembre, je reviendrai avec. Ouais. Retenez les bêtises une seule fois.